Bienvenue au Brésil. Pour découvrir ce pays grand comme un continent, nous avons suivi 6 compatriotes et leurs familles. Ils nous invitent aux 4 coins de ce magnifique pays et vous allez voir, nos lointains concitoyens ont des destins hors du commun. Notre périple commence à Salvador de Bahia, où se sont installés Stéphane et Anna Claudia Perret. Située en plein milieu de la façade atlantique du pays, Salvador est une ville d'immigrants depuis toujours. Première capitale du Brésil au XVIe, on y trouve plus qu'ailleurs des vestiges de la colonisation portugaise et une importante population d'origine africaine venue comme esclaves pour cultiver la canne à sucre. C'est aussi la ville préférée des Brésiliens pour faire la fête et son carnaval de rue est le plus grand du monde. À l'écart du centre-ville et de toute cette agitation, cette école secondaire privée a son propre bassin de natation. C'est là que nous rencontrons Stéphane et Anna Claudia, qui suivent attentivement les progrès de leur fille Aricia, 12 ans, cachée sous ce bonnet de bain aux couleurs belges. Chaque après-midi, Aricia parcourt 6000 mètres lors d'un entraînement de haut niveau. Elle est la championne de natation du Brésil de sa catégorie. Sa maman, Anna Claudia, est une belgo-brésilienne adoptée à l'âge de 14 ans par une famille de Batis. C'est là qu'elle a rencontré Stéphane, le papa d'Aricia. Ce multi-entrepreneur est aussi devenu le consul de notre pays dans l'état de Bahia. Bienvenue en Belgique. Donc ici, nous sommes dans le consulat honoraire de Belgique à Salvador et ce sont également mes bureaux. Les 400 Belges qui vivent dans une région grande comme 11 fois la Belgique viennent ici renouveler leur papier d'identité ou demander à Stéphane des conseils pour s'établir. Pour lui, c'est un juste retour des choses. J'ai une dette vis-à-vis de la Belgique. Donc oui, c'est un petit peu bizarre de parler comme ça. Surtout depuis que je vis au Brésil, je vois une réalité complètement différente. Donc on n'a pas une éducation gratuite, on n'a pas une santé gratuite, on n'a pas la sécurité qu'on a en Belgique. Donc, il faut vivre dans un pays où on n'a pas ces avantages pour pouvoir les valoriser. Et en effet, Salvador souffre terriblement de la misère sociale et d'une violence toujours prête à exploser, comme le montrent de récentes émeutes. 70% de sa population vit dans des favelas, ces quartiers pauvres au développement anarchique, véritable labyrinthe aux mains des trafiquants de drogue, tellement peu sécurisés que nous n'avons pas pu y entrer avec du matériel de tournage. Il y a un fatalisme. Hein. Le Brésilien, toujours ce qu'il dit, c'est « si Deus quiser », ça veut dire « si Dieu le veut ». Il y a de plus en plus des églises évangélistes qui s'installent dans les favelas. Et là, bon, le pire, c'est qu'ils exploitent cette pauvreté. Le peu qu'ils gagnent, 10-20%, ils doivent le distribuer à leur église pour pouvoir gagner une vie meilleure au paradis, on va dire. Pour nous, c'est un peu radical, mais c'est un garde-fou pour les parents et une certaine emprise sur leurs enfants et les enfants n'aillent pas vers le côté de la drogue. Je ne vais pas dire que c'est impossible d'avoir une ascension sociale, mais il faut avoir de la chance. Si le gouvernement se décidait à mettre le paquet sur l'éducation, je pense que ça changerait beaucoup de choses. À l'écart de ces poches de violence, Stéphane et Anna Claudia sont aujourd'hui bien installés dans une banlieue proche de Salvador. Mais leur arrivée au Brésil a un vrai parfum d'aventure. D'ailleurs, leur destination au départ était l'Argentine. On a vu qu'il y avait un vol direct Bruxelles-Salvador. Et on a pris le vol, mais vraiment par hasard. Et voilà, on est ici, ça fait 16 ans. Bon, au départ, c'était pas facile du tout. On est sorti de l'aéroport, on est allé dans les favelas. Moi, j'étais pas bien du tout. Hein. Le premier mois, c'était un choc culturel. Je ne connaissais pas Bahia. Je croyais que tout l'État était comme ça. Après avoir appris le portugais, il fallait que je travaille. Donc, j'ai cherché dans ce quartier-ci, qui est le quartier du commerce. Comme je n'avais pas ma documentation en ordre au départ à cause de la bureaucratie brésilienne, j'ai pas eu le choix. J'ai été exploité par un Brésilien. Donc, à l'époque, je gagnais 250 reals par mois, ce qui faisait à peu près aujourd'hui 80 euros par mois. J'ai commencé au bas de l'échelon. J'ai vu
toutes les difficultés que peuvent ressentir les Brésiliens et j'ai grandi avec eux. Après 3 ans, j'ai décidé de monter ma propre entreprise et là, les conditions financières se sont améliorées. Ici, on est dans un quartier qui s'appelle Jardim Apipema et c'est le quartier dans lequel on est venu habiter après la favela. C'était très très sympa, très petit comme pièce, mais on vivait en communauté, donc on ouvrait les portes pour pouvoir avoir un peu l'impression d'avoir plus de place, on va dire. Et alors là, on s'est lié d'amitié avec beaucoup de Brésiliens avec lesquels on a encore des contacts jusqu'à aujourd'hui. C'était très chouette. Tous les dimanches, la tradition c'est de faire un barbecue, d'aller à la plage, okay, passer du bon temps en famille, entre amis. Ici il y a des cœurs de poulet, c'est une condition sine qua non pour faire un barbecue, il faut absolument des cœurs de poulet. On a un ami belge par exemple qui aime faire le barbecue avec des frites, ici c'est plus le riz. Et alors, bon, le fait de faire un barbecue avec des frites, ça change évidemment, et il a du succès avec ça. Ce petit groupe belgo-brésilien discute à bâton rompu de la Belgique, un petit peu, mais surtout du Brésil. Le pays est en ébullition, plein de ressources, mais aussi de contradictions. Je souhaite que le Brésil ne gagne pas la Coupe du Monde, parce que ça va effacer tous les mouvements politiques, parce que les gens vont être tellement envahis par la joie de la Coupe du Monde qu'ils vont oublier leur devoir civique qui est de réagir à tous les problèmes qu'il y a. Donc si le Brésil gagne la Coupe du Monde, ciao les manifestations. Bon, on dit que c'est un pays émergent, etc. C'est pas non plus un pays où on peut compter sur une croissance fantastique parce que les infrastructures, la bureaucratie ne permet pas de se développer. Malgré ces difficultés, les affaires de Stéphane, elles, ne cessent de se diversifier, ce qui nous donnera l'occasion de le retrouver bientôt dans un autre coin du pays. Ça sert à quoi ? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. On quitte donc Salvador pour se rendre à Belém, dans l'estuaire de l'Amazone, à la rencontre d'Hervé. Riche et flamboyante capitale du caoutchouc au XIXe siècle, Belém a été ruinée par le déclin de sa ressource principale. La ville en porte encore les stigmates et la reconstruction est un long processus qui commence à porter ses fruits. Ce futur, un Belge en est un artisan majeur. Hervé Roger a quitté Louvain-la-Neuve pour apporter des fonds contre la déforestation lorsqu'il était étudiant et il est resté en Amazonie. Il est professeur à l'Université fédérale du Pará, un campus qui compte 60 000 étudiants. Et en fait ici, on rentre dans l'Université fédérale, puisque le parc est une entité autonome à elle-même. Et alors l'hôpital universitaire ici à gauche. Donc l'université gratuitement offre un service de base de santé pour les gens de la favela en face. Ça fait partie des stages de 6e et 7e année de nos étudiants en médecine. Et donc ici gratuitement peuvent venir tous les gens de la favela. Juste après la faculté d'ingénierie chimique et des aliments dans laquelle je travaille. Centre de valorisação agroalimentaire, compostos bioactivos da Amazônia. Eu vou fazer uma produção aqui. Hervé a aussi lancé Amazon Dreams, la première spin-off de l'université. Le but est de lutter contre l'accaparement de toutes les ressources de l'Amazonie par des multinationales en développant localement des produits à forte valeur ajoutée. Par exemple, la baie d'Açaï,
un fruit aux vertus nombreuses pour la santé, dont les produits dérivés s'exportent dans le monde entier au bénéfice de l'économie locale. En termes d'açaï, les travaux qu'on a faits au sein de l'université ont vraiment augmenté les revenus de beaucoup de producteurs, moi je dirais en dizaines de milliers de producteurs. Maintenant, lié au travail d'Amazon Dreams, on atteint plus ou moins 300 familles d'agriculteurs. C'est parmi ces petits producteurs du delta de l'Amazone qu'Hervé a trouvé sa famille de cœur. Tournésien d'origine, il est devenu un véritable Amazonien. Ici, on va dans ma deuxième famille, ma famille brésilienne. Et on va connaître un peu tout ce qui m'a rattaché au Brésil durant ces 20 dernières années. J'ai travaillé il y a 20 ans en collectant des échantillons d'açaï. Le garçon qui cueillait pour moi a eu la leucémie et a fait tout le traitement de chimio chez moi à Belém pendant 2 ans. Ça nous a fort rapprochés, tout ça. Ils sont très accueillants, enfin vous verrez, c'est très chaleureux. Il y a vraiment aussi une joie de vivre qui est très importante. Donc, vous serez certainement les bienvenus. La famille habite dans un ensemble de maisons sur pilotis, au-dessus de l'eau. Et aujourd'hui, tout le monde est là pour faire la fête. En Amazonie, on ne célèbre rien sans une table bien remplie. Chacun s'active donc dans la cuisine familiale. On est tous ici réunis pour fêter un moment sublime, très important pour toute la famille. Ce sont les 74 ans de la matriarche Dona Juana. C'est un moment important pour nous. Je n'ai jamais rêvé d'avoir une famille si grande. Si j'ai aujourd'hui une si grande famille, c'est un miracle de Dieu, parce que ce n'est pas tout le monde qui a une famille comme ça. Je voudrais présenter à nos amis belges qui viennent nous rendre visite notre fils adoptif. La famille qui vient de Belge vient nous visiter aujourd'hui, pour être grande pour nous. Viens, viens près de nous. Je voudrais dire que c'est toujours un moment émouvant d'être avec vous. Ce qui m'attache le plus à ma seconde famille, c'est l'amour. C'est la base de tout et une famille unie qui a comme base l'amour, c'est le succès de tout. J'espère qu'il y aura encore beaucoup d'anniversaires et je suis certain qu'il y en aura. Bravo. Après le repas, le clan se disperse pour profiter des joies simples d'un dimanche en Amazonie. Football sur pilotis pour les uns, dégustation de produits locaux pour les autres, qui apprécient ces longs verres dont le goût évoque celui de l'huître. Pour Hervé et ses filleuls, c'est la balade en bateau dans la mangrove, l'équivalent de notre promenade en voiture, l'aventure en plus. On laisse Hervé et la fête qui continue dans le delta de l'Amazone. Nous y reviendrons plus tard pour découvrir cette mystérieuse baie d'Açaï. Nous traversons donc presque tout le pays en diagonale pour aller à la rencontre d'autres Belges à Rio.
montois d'origine, Frédéric Coquenpot a posé ses bagages à Rio il y a 7 ans pour y ouvrir une laverie. Il a choisi le quartier d'Ipanema, havre de paix et de prospérité dans cette cité bouillonnante. Une ville dont il a rapidement découvert les moindres recoins en pratiquant une spécialité bien de chez nous. Ici, le principe est différent qu'en Europe puisqu'on livre à travers toute la ville. Donc on a des livreurs qui travaillent sur ce genre de bicyclette. J'ai moi-même au début fait les livraisons à vélo chez les clients puisque on a commencé comme tout le monde tout seul. Ça m'a donné une bonne connaissance de Rio, une bonne connaissance du travail. Et également, ça m'a appris à me faire respecter par mes employés parce qu'ils ont vu directement que je n'étais pas là avec le patron qui arrive ici avec son argent étranger et s'installe. Mais non, c'est quelqu'un qui est au même niveau qu'eux, qui en donne. On s'est un peu spécialisé directement dans la qualité du nettoyage. Des choses toutes simples, toutes bêtes, c'est à laver à l'eau chaude. Ça n'existait pas, les gens mettent beaucoup de savon et on lavait à l'eau froide. Et on a une clientèle brésilienne un peu huppée directement. Ce sont des clients qui dépensent plusieurs milliers d'euros par mois en nettoyage à sec. Il y a des exemples comme ça assez cocasses. Madame a acheté une robe à Paris, il manque un bouton. Donc nous, on va appeler la boutique à Paris, faire venir le bouton par avion. Donc c'est des petits services de conciergerie. En quelques petites années, Frédéric a étendu ses activités en créant une agence immobilière de prestige. Avec son équipe de 35 personnes, sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Mais Frédéric a dû s'adapter au mode de fonctionnement brésilien pour en arriver là. C'est totalement différent de l'Europe. Ici, rien ne se fait dans la confrontation, tout se fait dans la douceur, dans une certaine hypocrisie, n'ayons pas peur des mots. J'ai eu l'expérience quand la première fois que j'ai renvoyé un employé en lui disant la vérité, et ça s'est très mal passé, et donc j'ai appris. Maintenant, si je dois me séparer de quelqu'un, ça ne va plus. Je suis obligé d'inventer une excuse pour que la séparation se passe bien, parce que sinon, on rentre directement dans les conflits, et spécialement ici au Brésil, c'est un peu aussi à l'américaine, on vit devant un procès. Donc on doit fonctionner avec les sentiments. On fait partie d'une famille, d'un ensemble, et on évite les conflits ici au Brésil. Comme tous les commerçants brésiliens, Frédéric a aussi été confronté à l'insécurité. Et il a été obligé de s'affilier au système de protection locale. C'est-à-dire qu'ici au Brésil, on a une milice de rue qui aide en fait la police, on va dire ça comme ça. C'est pas très très cher, hein, l'équivalent de moins de 50 euros par mois. Mais ils sont là réellement pour nous protéger. On s'est fait braquer une fois. Je n'étais pas présent à ce moment-là dans le magasin. Et trois jours plus tard, le responsable de cette milice est venu s'excuser pour l'incident et nous a dit que c'était résolu. Je n'ai pas approfondi la question, mais bon voilà, ça fait partie du système ici au Brésil. Voilà, ici, nous arrivons dans un des appartements que Warren Rio propose. Au total, on en offre une centaine sur notre site. Et ici, c'est un appartement situé à Leblon, hein, trois chambres. Alors voilà, je vous présente le plus de ce penthouse. C'est la vue, voilà, sur Ipanema. Sur la gauche, on a le Lagoa, qui est la lagune de Rio de Janeiro, avec une vue globale sur le quartier d'Ipanema. En réalité, ici, nous sommes déjà à Leblon. Vous avez une plage magnifique de sable blanc, une vue avec des îles vierges. Pour en venir ici au penthouse, on peut voir cette table qui se termine sur la terrasse. On peut prendre un petit déjeuner, jus d'orange, champagne le matin, avec, comme vous le voyez, une vue magnifique sur la baie d'Ipanema. Ici, on est à Santa Teresa. On s'est un peu éloigné de la plage, du modernisme d'Ipanema, de Copacabana, et on revient un peu dans le centre historique de Rio, où on retrouve des maisons un peu comme celle-ci derrière, coloniales. Ah,
Alors nous rentrons dans la Villa Philippe, une des villas les plus exclusives de Rio, avec la salle de réception, une mosaïque extraordinaire qui nous amène ici au salon principal et vers différentes ambiances, différents salons. Et nous continuons vers une pièce que j'aime beaucoup par son mélange de styles. On y retrouve à la fois de l'art africain et également de l'art brésilien, avec par exemple ici les couronnes des tribus indiennes d'Amazonie. Pour la clientèle internationale de Frédéric, cette maison au caractère historique exceptionnel est un coup de cœur rare qui se loue une petite fortune. Les Brésiliens aisés préfèrent en effet le confort des appartements modernes et ce sont bien souvent les expatriés qui rénovent les vieilles pierres. Chaque fois que je rentre dans des propriétés comme celle-ci qui appartient à des étrangers, ça me permet de découvrir des beautés brésiliennes dans l'art, dans le design, et ce qui fait également le charme de cette maison, parce que le propriétaire y a mis tout son bagage culturel, européen, africain, brésilien, et on le sent dans chaque pièce de cette maison. Chamei de mau gosto que vi de mau gosto, mau gosto. Au pied de cette somptueuse demeure, nous avons rendez-vous avec Raphaël, un guide pas comme les autres. Raphaël accompagne en effet les touristes francophones à la découverte du quartier de Santa Teresa et de ses favelas. Outro na construção. Nous sommes à Santa Teresa, dans la place plus importante de Santa Teresa, où tout le monde se retrouve, les gens qui habitent la favela, les bourgeois aussi, un peu de tout, se rencontrent ici pour jouer en match de foot, pour parler un peu. Il y a aussi un prof de la mairie qui donne des classes de gym pour les gens plus âgés aussi. Donc tu as toutes les sortes d'âge aussi. Cette place, elle est un peu au mix du Brésil. Je pense que Santa Teresa et Rio, surtout, il est super bien intégré avec les classes sociales. C'est tout le monde bien intégré parce que c'est super proche. Les favelas sont dans le quartier, donc les gens sont obligés presque de convivre ensemble. Et ça marche bien ici à Santa Teresa. Foi fazer no domingo passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana. Viens, nous rentre à la favela maintenant. Il faut garder son souffle parce que ça grappe beaucoup. Juliana, seu sonho, uma ilusão. La favela Villa Pereira est une des premières favelas pacifiées de Rio, c'est-à-dire que l'armée a repris le contrôle de cette zone de non-droit. Raphaël a vécu ici et il y compte encore de nombreux amis. Pour lui, la pacification a aussi un revers financier pour les plus pauvres. Là, c'est une maison qui a été achetée pour deux Français, fait en peu près 3 ans. Et ça, c'est maintenant trop fréquent à Rio. Et bien, c'est un phénomène qui se passe maintenant à Rio qui peut être un peu dangereux pour les habitants de la favela, parce que ça fait que les prix augmentent dans la favela et que ces gens vont faire des autres favelas dans des autres régions de Rio, et ça intensifie le problème. Il y a 720 favelas à Rio, c'est 22% de la population. Pour moi, les favelas sont vraiment des symboles de résistance, de gens qui disent « je suis pauvre, mais je peux habiter à le centre-ville, à côté d'une bonne plage, d'une bonne école, avec des services. » Qu'est-ce qu'il faut dire, favela ou communauté ? Communauté. Je n'ai pas honte qu'on dise montagne ou favela. Mais tous mes fils ont été éduqués ici, et ma fille aussi. Ils ont fait l'université. Ici, tout est toujours bien. J'aime mon voisinage, il n'y a pas de problème. Je m'entends bien avec tout le monde, grâce à Dieu. C'est chez moi, il y a une superbe vue, j'ai ma maison à moi et je ne paye rien. Mes fils sont bien éduqués, grâce à Dieu. Mes
me leva contigo pra onde você for. Que eu te levo aonde você quiser. Você me escolheu pra ser seu homem eterno. Après la pacification, il y avait beaucoup de favelas qui sont plus calmes, plus agréables à vivre, parce qu'il n'y a pas il y a plus la guerre qu'il y avait. Il y a des autres problèmes, clair. Il y a des critiques sur le système de OPP et pacification, parce que ce n'est pas un projet social, c'est un projet militaire en premier. Mais nous attendons là, parce que c'est super récent dans l'histoire de Rio, nous attendons que ça roule bien en 12 ans, 3 ans. Preparado pra tudo, ninguém ler o final sem ver o começo do livro. Simples olhar, toque na mão. C'est aussi à Rio que la famille Wamberzi s'est installée il y a 8 ans pour suivre Olivier, le papa, dans sa carrière internationale au sein d'une société pétrolière. Pour nous faire découvrir un autre aspect de la ville, son épouse Anne-Catherine et leurs enfants nous entraînent dans une balade nature et sportive. On est loin de notre plat pays. Wow. C'est Rio, je crois, qui a le plus grand parc naturel à l'intérieur de la ville. Donc, du coup, ça donne des poumons d'air qui sont vachement appréciés pour une ville. D'un côté, on a la mer, de l'autre côté, on a la forêt. Et puis, il y a juste la bande où habitent les gens. Donc, quoi qu'on habite en pleine ville, on habite quand même dans la nature. De l'autre côté de la baie de Rio, la nature est nettement moins paradisiaque. Le port de pêche de Nimroy est envahi par de nombreux chantiers depuis la découverte d'énormes réserves de pétrole qui feront bientôt du Brésil le 6e producteur mondial. Ce secteur du pétrole, Olivier Wamberzi, le mari d'Anne-Catherine, en est un spécialiste. Il est en charge du développement de BG Group, la société qui investit le plus dans le pays avec 50 milliards de dollars injectés en 5 ans. Toutefois, pour Olivier, le principal ne réside pas dans les chiffres, mais dans son combat pour la sécurité. Notre objectif, c'est zéro incident. Et actuellement, il y a un tableau là qui indique que depuis les 414 jours qu'ont commencé les travaux ici, il y a eu zéro incident. Le gros problème qu'on a, c'est l'insouciance. Ça n'a pas l'air bien haut, hein, ça fait 5 étages. Mais sur d'autres chantiers, vous verrez que les gens sont là sans casque, sans lunettes, sans gants, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Et alors au début, ça crée des tensions parce que c'est gênant. Ils ne voient pas l'intérêt, ils ne sont jamais tombés, parce que ceux qui sont tombés sont morts, donc ils ne peuvent plus recommencer à travailler. Et alors ce que je leur dis clairement, c'est que la pire des choses qui puissent m'arriver dans toute ma carrière, c'est de voir un jour aller frapper à la porte de leurs parents, de leurs fiancés, de leurs enfants, de leurs femmes, et leur dire « Votre fils, votre père, votre mari est mort sur mon chantier en travaillant pour moi. » De son côté, Anne-Catherine travaille à la maison. Elle a monté sa propre société de création de sites internet qu'elle développe avec l'aide de collaborateurs brésiliens. Pour Anne-Catherine aussi, il a fallu s'acclimater aux méthodes de travail locales. En général, ici au Brésil, il faut construire une relation de confiance. D'ailleurs, c'est pour ça que chaque fois qu'on rencontre un Brésilien, on va d'abord passer un quart d'heure à dire bonjour, comment ça va, comment va ta femme, comment va ta fille, tu vas bien, tu es plus malade. Donc on commence d'abord par 10 minutes d'introduction, quoi, pour créer ce climat de confiance. Et puis après ça, on se met à travailler, quoi. Oui. Pour moi, c'est tranquille travailler avec un Belge. En fait, de temps en temps, il y a des chocs culturels, mais c'est des chocs normaux. Moi, je suis Brésilien et j'ai des chocs même avec les Brésiliens. Donc là, ce sont des situations humaines, c'est normal, mais nous, on travaille tranquille. Nous, on est plus, même pas que les Belges, les Européens, on a toujours tendance à être assez carré, on dit bonjour, hop, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. D'un autre côté, on doit s'adapter des fois il faut être flexible. Les choses ne sont pas toujours faites à l'heure dite et au moment dit, mais ça sera toujours fait. Voilà, donc une fois qu'on est flexible, alors du coup on reste zen et tout va bien. Nous retrouvons Olivier en route pour son autre activité à Nimeroy, dans un contexte très différent du pétrobusiness. Il contribue à l'association CCDI, dont le but est d'aider les enfants des favelas à réussir à l'école.
Quand je donnais des cours de maths aux enfants, j'étais étonné de leur capacité. Quelques éléments, mais vraiment très, très brillants. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont peut-être des difficultés, c'est plus compliqué. Et alors, très vite, on ne suit plus. Et puis, alors, on dérape. Et alors, le problème ici, c'est quand on dérape, comme disait Altaïr, on dérape et on retourne dans la rue. C'est la violence, la drogue, la prostitution à 15 ans, hein, ou à 14 ans, ou à 12 ans. C'est dramatique. Donc, ce qu'il faut, c'est maintenir les enfants dans la filière de l'école. On voit les enfants qui grandissent, qui deviennent de jeunes adolescents, de jeunes adultes, et qui ont une carrière tout à fait normale, ce qui n'aurait pas eu lieu si ces étudiants n'étaient pas là. Et ça marche remarquablement bien, comme il le disait, ils ont 95% de réussite. Bonjour, et bon dia, et merci, obrigado. Son dos palabras, ótimo. Merci. À Rio, le culte du corps n'est pas une légende. Pour nos expatriés, la chirurgie esthétique est une folie typiquement brésilienne. Mais le sport est par contre une passion partagée. Augustin, le fils d'Olivier et d'Anne-Catherine, en est l'exemple parfait. Il est un des rameurs de pointe du célèbre club Botafogo et s'entraîne tous les jours sur le site des futurs Jeux Olympiques de 2016. Aujourd'hui, on va ramer 20 km et on va vous chronométrer. Tu mets trop de muscles, plus calme. Le sport, c'est bien, mais en fin d'après-midi sur la plage d'Ipanema, l'ambiance se détend. Pour Géraldine, la sœur d'Augustin, c'est le rendez-vous incontournable avec ses amies brésiliennes qui la considèrent presque comme une vraie carioca. Je crois que tu es plus brésilienne que belge. Mais tes yeux et tes cheveux, ici c'est très rare. Et ta peau blanche aussi. Et puis tes gestes sont si différents, la façon dont tu bouges. Elle fait des choses un peu différentes, elle est plus aventurière. Et c'est vrai ce qu'ils ont dit, des fois des activités que je fais quoi. Par exemple, moi et ma famille, nous on aime bien faire des marches dans les montagnes quoi. Ici c'est pas vraiment un truc que ça se fait, tu sais. Elles aiment pas vraiment le faire. Alors, on a des petites différences quoi. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Les Wamberzi ont finalement trouvé leur bonheur au Brésil, après avoir vécu sur la péninsule arabe, puis en Asie, dans des environnements d'expatriés très protégés. Mais il y a 8 ans, lorsqu'ils sont arrivés dans la ville de Rio, alors en proie à une violence endémique, le choc a été rude, surtout pour les enfants. Ils sont partis d'une bulle de paradis et ils sont arrivés à Rio. Tout d'un coup, ils ont découvert les mendiants au bord de la route, les pauvres et les riches, les classes sociales. Et ça a été, je me rappelle très bien, c'était vraiment un choc pour les enfants en arrivant ici. Hein. Ils n'avaient en fait jamais connu la violence. On voyait les hélicoptères militaires qui lançaient des roquettes sur la favela parce que c'était la guerre, hein, c'était réellement la guerre. Et pendant une heure ou deux, on assistait aux tirs de roquettes. Et il a fallu s'habituer, se blinder un peu. Depuis lors, la pacification a porté ses fruits et le niveau de violence a baissé à Rio. Intégrés à la vie locale, les Wamberzi comptent rester longtemps encore dans cette ville qui les a envoûtés. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção. Mais nous quittons Rio, direction plein nord, vers les plaines arides du Sertão, à la rencontre de Guido. «
c'est là, dans la petite ville de Gloria, qu'un autre Belge a choisi de faire sa vie au cœur de la région la plus pauvre du pays. Il y a 50 ans, Michel Dessy était séminariste lorsqu'il a quitté la région de Siné pour rejoindre les paysans sans terre du Brésil. Il y a pris le nom de Guido, s'y est marié et a fondé une famille en s'intégrant complètement à sa région d'adoption. Bonjour, bonsoir, c'est bonsoir, hein? Tu sais qui téléphone? Michel, tu vois, hein, je suis parvenu à avoir ton numéro et ton téléphone, hein? Je téléphone maintenant, hein? Guido, anciennement Michel, a perdu le contact avec sa famille belge depuis près de 15 ans. Ses moyens ne lui permettent pas de voyager et il n'a accès au téléphone que depuis peu. Les photos de la famille de son frère que nous lui avons apportées réveillent les souvenirs d'une Belgique qui s'était peu à peu éloignée. Et les enfants vont bien? Ah oui, 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 j'ai vu sur les photos, c'est magnifique. Hein, oui. Ça rappelle quand on était gamin. Hein, oui. Eh ben, ah, je savais bien, mon vieux, que vous alliez être content. Hein. Moi aussi, je suis content hein, de vous téléphoner. Hein. On est fort content de vous avoir entendu. Ah, estamos felizes de estar falando com você também, viu? Ela disse que eles são contentes de vous avoir écouté au téléphone, donc. Hein? La première fois qu'elle vous parle, hein? Tu vois? Et on veut grosso embrassar pour le Brésil. Oui. Au revoir, hein? Oui. Autre jour, un autre jour, hein? Au revoir, oui. Guido vit de façon modeste, mais il a pu élever avec son épouse deux fils qui lui ont donné des petits-enfants et une fille qui termine ses études de médecine à Cuba. Au cours de sa vie dans le sertan, il a été infirmier, maçon, paysan, syndicaliste, toujours animé par l'obsession de défendre les pauvres. A une double vie. Chaque lundi, il quitte la maison de Gloria pour se rendre dans le sertan, la zone la plus aride du Brésil. Il y a participé à la création du mouvement des sans-terres, un syndicat qui s'est battu durant des années pour que les paysans démunis reçoivent une partie des immenses terrains détenus par de grands propriétaires. Ici, 300 familles se sont installées sur un terrain laissé en friche. Une personne seule avait toute cette terre-ci. Ici, c'était le plus petit terrain qu'il avait donc. Il était tout seul, il n'avait même pas d'enfant. Il avait une douzaine de terrains comme ça. Alors ici, ça a donné le pain pour combien de familles, hein, des centaines de familles. Notre lot de terre, c'est le numéro 8. On n'a pas mis de nom, mais enfin, c'est le numéro 8. Soyez les bienvenus, hein. Chaleur, hein. Je vais encore mettre de l'eau ici. C'est la première chose que je fais quand j'arrive ici. C'est deux, trois arbres ici tout près, et puis après, le reste, on fait. Hein. Demain matin, tout ceci est vert. Déjà en fin d'après-midi. Depuis l'arrivée de Dilma Rousseff à la tête du pays, les transferts de propriété aux paysans sans terre se sont ralentis et Guido continue le combat. Dans ce campement de fortune, ce couple, leurs 13 enfants et leurs 50 petits-enfants, attendent un lopin de terre depuis près de 12 ans. Mais personne ne veut vous aider, vous savez très bien cela. Le gouvernement ne vous aide pas. On attend depuis des années qu'on nous donne quelque chose. Mais pas une aumône, on veut plus que ça pour vous. Et cette terre qu'on vous a promis, où est-elle?
Là-bas, on ne la voit pas, c'est derrière ce bâtiment. Et il y a de l'eau? Non. Non, non, on aura un réservoir. C'est un petit morceau de terre, il n'y a pas grand-chose. Vous pensez que ça va bien fonctionner? Que vous allez pouvoir planter? Nous l'espérons, oui, nous l'espérons, certainement. Et pour les jeunes, là? Il faut étudier parce que moi je n'ai pas étudié et maintenant je ne connais rien. Et les enfants, ils étudient? Oui, oui, ils vont à l'école, il y a un bus qui passe pour les emmener. C'est notre lutte. Même pour ceux qui ont obtenu un bout de terre, la vie n'est pas facile. Après 5 années de sécheresse, le cheptel a pratiquement disparu de la communauté. Guido donne un coup de main à ses voisins qui s'acharnent à conserver quelques vaches dans l'espoir du retour de la pluie. Eh bien, ici, on a déjà 5 ans donc, de grande sécheresse. Après 5 ans, eh bien, ils ont déjà vendu plus de la moitié de leurs bêtes. Et moi, j'ai été obligé de vendre toutes les miennes. Et tu vas voir, hein, ici, ils n'ont pas un pied d'herbe, donc. Hein. Ils sont en train de produire encore du lait, donc. Hein. Tu vois ce que les bêtes donnent encore, hein, sans manger. Ils mettent la palme. Et tu vois, les sacs de rations. C'est des types qui n'avaient rien du tout, presque, donc. Hein. Puis ils sont arrivés comme nous autres, hein. Payer l'électricité, payer l'eau. Et l'eau est très chère aussi maintenant. Hein. Si tu calcules, tu devrais voir qu'ils ne gagnent rien. Donc. C'est parce qu'ils sont têtus aussi. Ils aiment bien l'agriculture, ils aiment bien les bêtes, mais, hein, mais survie, ce n'est pas vivre. Hein. Seule chose qui pousse ici, ce sont les cactus. Guido doit être le seul paysan belge qui sache les cultiver. C'est facile de dire je travaille avec les pauvres. Avec, mais comme. Il y a une différence, hein. Je n'ai rien, tu vois ce que j'ai ici, je n'ai rien du tout. Ce que j'ai, c'est pas. Pff, puis, bon, je peux m'appeler aujourd'hui, je m'en vais, c'est fini. Je laisse quoi. Massacrer, mon vieux. Nos impôts, on se demande où ils vont, donc. On sait bien. Ils vont dans leur poche et puis c'est fini, donc. L'éducation, la santé, les emplois, les maisons. Tout ce que je fais, ce sont des travaux que je ne devrais pas faire. Si c'était pour suivre les indications des médecins. Ce n'est pas pour prendre du soleil, ce n'est pas pour s'abaisser. Ah, mon vieux. À ce compte-là, j'étais déjà enterré, hein. Je serais déjà enterré. Mais... Moi, j'ai toujours été contre les injustices. Et je suis encore pire si c'est contre les autres. Contre moi-même, ben, on supporte encore un temps d'histoire. Mais quand c'est un autre, si je suis engagé, eh ben, ils peuvent se tenir. Hein, on n'a pas peur de dire la vérité. Moi, j'ai été en prison parce qu'on voulait le bien des gens. On a été torturés par la police. Pourquoi? Mais je leur ai pardonné. Je n'ai jamais eu de rage, de haine contre personne. Et puis ils reconnaissent donc hein, qu'ils ne pouvaient rien faire contre nous. Avec nos paroles, on faisait plus qu'eux avec les armes qu'ils avaient en main. Donc, hein. Ce soir, c'est le début du carême. Guido s'est quelque peu éloigné de l'église, mais il a gardé la foi et c'est lui qui l'entretient au sein de cette communauté isolée du monde. Si a gente fala mal dos outros, um dia nós vamos dar conta que falamos, né? Perdão, Deus de amor. Perdão, Deus clemente. Perdoa.
son guido et les cactus capent sur l'intérieur des terres et son agriculture intensive près de la ville de Luis Eduardo Magalhães. À 1000 km à l'ouest de Salvador, cette région est appelée le grenier à blé du Brésil. On y retrouve Stéphane, qui entre dans la fazenda à Grenolle, une immense ferme de 22 000 hectares qu'il connaît comme sa poche. C'est lui qui se charge de l'export de toute leur production. L'objet de mon voyage ici aujourd'hui, c'est de discuter justement les coûts de production parce qu'ils me demandent d'augmenter mes prix à l'export. Donc mon rôle dans le groupe, c'est de m'occuper du marché externe. Et alors eux, ils sont dans la vie, dans les champs, etc. Ils ont des difficultés avec la sécheresse, avec les travailleurs. Le salaire moyen d'un travailleur dans les champs aujourd'hui est supérieur au salaire moyen d'une personne qui travaille dans un bureau en ville. Cette année, tu crois que les perspectives seront bonnes pour le café ? Oui, c'est bon. Les plants de café sont bien chargés et le marché est très favorable. Il y a eu des sécheresses dans d'autres régions, donc le prix va monter. On parle déjà de 600 reals le sac. Ici, ça représente une récolte. C'est le meilleur café de l'année passée. Je teste plusieurs tasses pour être sûr qu'elles représentent bien le lot. Ils sont dans leur jargon, ils sont dans leur monde, et c'est un peu un théâtre. Même si la récolte de café est prometteuse cette année, Stéphane a recommandé de réduire les surfaces de production, car chaque produit a son propre cycle de vie. Les agrumes, par exemple, c'était les premiers produits que j'ai travaillé à l'exportation. Et ça a très bien fonctionné pendant pratiquement 7-8 ans. Ça dépend fort de l'offre et la demande, donc c'est l'agro-business. Une fois qu'on voit que ce produit-là commence à avoir moins de rentabilité, on n'assiste pas à l'exportation et on passe sur un autre produit. Notre histoire avec Stéphane commence il y a 16 ans. Nous, dans le groupe à Grenolle, on avait très peu d'expérience en exportation. Lui, il avait 25 ans, il parlait 5 langues et il avait la volonté d'avancer tout en restant très simple. On a travaillé en confiance et on a tout développé. Aujourd'hui, on est un des premiers exportateurs de fruits du Brésil et le plus grand exportateur de papaye au monde. Et ça, c'est grâce à notre collaboration. Stéphane a aussi recommandé à Ney de diversifier les productions qui sont toutes rendues possibles par les énormes investissements en infrastructures. La ressource la plus précieuse de la fazenda, c'est l'eau. Plusieurs rivières alimentent les gigantesques installations d'irrigation qui marquent le paysage de ces grands cercles disséminés sur toute la ferme. Même l'élevage bovin se fait sur les zones irriguées. Les travailleurs employés ici, jusqu'à 5000 personnes en période de récolte, vivent en partie sur place. Toute la vie s'organise à l'intérieur de la ferme. J'habite ici avec ma fille et c'est vraiment très bien. C'est très calme, j'ai ma propre maison, on n'a pas de problème de sécurité. Tout est prévu pour la vie des familles. Il y a la crèche et l'école des petits, un poste de santé. Il y a même l'église, c'est vraiment très bien. À la sortie de la fazenda d'Agronol, cette nouvelle route mène au centre de la ville de Luis Eduardo Magalhães. Marchands de machines agricoles flambant neuves et chantiers de construction témoignent de la richesse générée ici par l'agrobusiness. C'est un processus dynamique. Au départ, c'est l'agrobusiness qui attire des travailleurs ruraux.
Puis après se développe tout un commerce, ou alors là, il y a des services qui s'implantent. Toute une vie se forme autour d'une activité rurale. La ville est passée de 0 à 80 000 habitants en une génération seulement. Située au départ sur la commune de Barreras, à 100 km à l'ouest, elle a gagné son autonomie en 2000, grâce à un processus d'émancipation mené par Humberto, son actuel bourgmestre, et aussi un des pionniers de la fazenda Agronol. L'histoire d'Agronol se confond avec l'histoire de Luis Eduardo Magalhães. Il y a 30 ans, il n'y avait ici qu'une pompe à essence. Et quand on a acheté la ferme Agronol, la terre coûtait un paquet de cigarettes par hectare. Aujourd'hui, c'est pas moins de 3000 paquets de cigarettes. Mais les défis sont très grands. Nous devons créer les infrastructures, les écoles, les postes de santé, les hôpitaux, et c'est très difficile. Dans cet Eldorado de croissance et de développement, Stéphane trouve des opportunités d'affaires. Il a proposé à Humberto de faire de sa ville la pionnière de l'énergie photovoltaïque, un secteur encore inexistant au Brésil, alors que le pays a d'énormes problèmes d'approvisionnement en énergie. Fin 2012, on a identifié une nouvelle législation au Brésil qui permettait d'installer des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes. Donc j'ai pris mon sac à dos, je suis allé en Belgique et une entreprise de bâtisse, Enersol, s'est vraiment intéressée pour développer l'activité avec nous ici au Brésil. On a monté l'entreprise et on a commencé à apporter donc tout ce matériel. L'autre secteur qui intéresse Stéphane, c'est la pisciculture. Il a déjà testé l'élevage des tilapias et des pirarucus dans le bassin d'irrigation de la fazenda et ça marche. Son projet est maintenant d'installer en ville une usine de surgélation. On peut développer des affaires, c'est pas simple parce que bon, l'administration est assez lourde, compliquée. Mais il y a plein d'opportunités. C'est difficile, mais c'est passionnant. 5 minutes, 10 minutes, allez. Stéphane, il est un peu brésilien dans sa manière de créer des liens avec les gens, d'être amical et créatif dans son travail. Comme belge, il a la discipline au niveau professionnel et il a aussi une vision à long terme. Il est un exemple de succès d'un belge brésilien à Bahia. De Luis Eduardo Magalhães, comptez encore deux bonnes heures de vol pour rejoindre la forêt amazonienne à Abaetetuba. Retour en Amazonie avec Hervé pour découvrir la baie d'Açaí, un trésor de la forêt qui a déjà conquis une bonne partie du monde. On va d'abord monter sur le steep plus solide, plus costaud, pour passer ensuite sur l'autre steep qui est plus fragile. C'est une question de sécurité. Parce que c'est quand même dangereux. Il y a des steeps qui, justement, sont trop fins, cèdent parfois sous le poids du cueilleur de fruits et ça peut être fatal. Ici, c'est un régime donc de fruits d'açaï. On voit bien que ce sont des petites boules noires, en fait, hein, qui nous rappellent un peu l'apparence des myrtilles. Mais qui sont vraiment très très différents, puisque à l'inverse des myrtilles, c'est un fruit très très dur qui présente juste un peu de pulpe, 15% seulement du fruit, et 85% c'est un noyau très dur. Nos travaux ont montré que ça a été très riche en antioxydants, qu'il y avait plusieurs propriétés qui étaient vraiment très bonnes dans la prévention de maladies cardiovasculaires, dans la prévention de différents types de cancers et aussi en termes anti-inflammatoires. Ça a provoqué le boom de l'açaï dans le sud du Brésil. En 99, ça a commencé. Et puis ensuite, à partir de l'an 2000, aux États-Unis. Il y a 20 ans, un panier d'açaï arriver au maximum à 50 cents. Quand on fait la comparaison maintenant, hein, qu'on parle de 7 euros, on se représente bien l'augmentation du niveau de vie des agriculteurs. Aujourd'hui, la plupart des agriculteurs ont un bateau à moteur, ont au moins une télévision chez eux, ont un frigo, ont un accès à l'éducation plus important. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, ça montre qu'une plus-value beaucoup plus importante sur des produits naturels de la forêt peut servir vraiment à un développement
soutenable et durable. La criée de l'açaï a lieu chaque nuit au milieu du delta de l'Amazone. Avec le succès de ce fruit, ce marché est devenu un véritable moteur économique à des centaines de kilomètres à la ronde pour des milliers de petits récolteurs. Ici, on est au port d'Abetituba. À partir de 4h du matin, parfois plus tôt en fonction de la marée, arrivent les bateaux avec les paniers d'açaï. Et en fonction de l'époque de l'année, cet açaï peut venir des îles très proches, comme là où on était hier, ou alors d'assez loin, plus ou moins, quand même à 250 km, à vol d'oiseau. Ce qui représente en bateau quand même des distances qui peuvent être jusqu'à 30 heures de bateau pour arriver jusqu'ici. Não sei se ponho uma gravata verde com bolinhas ou estrela, se pego um táxi amarelo que combina com meu terno. Et alors ces paniers d'açaï vont être déchargés du bateau et alors seront mis sur les quais pour après être revendus pour les petits vendeurs de jus d'açaï alors. Tous les jours, le commerce de l'açaï a lieu entre 2-3 heures du matin jusqu'au maximum 8 heures du matin. Après, il n'y a plus rien à acheter. Tout est déjà vendu. Ma famille brésilienne produit très peu de fruits d'açaï, mais sert de revendeur de fruits. Donc ils viennent très tôt le matin pour acheter, par exemple, un lot complet d'un bateau et après le revendre en détail pour une quinzaine de magasins qui font le jus d'açaï. Et alors le revendre un peu plus cher, évidemment, qu'ils l'ont racheté, puisqu'ils l'ont acheté en gros. Donc la marge de bénéfice qu'ils font permet de faire vivre la famille. Le célèbre Vero Peso de Belém est le plus grand marché ouvert d'Amérique du Sud. Au détour des allées, on y découvre des dizaines d'échoppes qui regorgent de tous les produits de la mer et de la forêt tropicale. L'açaï cueilli en forêt hier et négocié cette nuit sur la criée vient d'arriver sur les comptoirs. La dégustation va commencer. Donc maintenant, on va enfin savoir ce qui se passe avec les fruits qu'on a accompagnés. Donc après un amollissement dans de l'eau tiède, les fruits sont jetés dans un cylindre. Le batteur d'açaï additionne de l'eau progressivement. Et alors on a un jus qui va sortir plus épais ou plus fin en fonction de la quantité d'eau qu'il a additionnée. Ça a un goût pour lequel on n'a pas vraiment de référence dans la culinaire belge. C'est un peu astringent, c'est crémeux. Comme le lait, ça rappelle un peu l'astringence du vin, ça rappelle un peu comme s'il y avait des feuilles de laitue ou quelque chose qui avait été broyé de bien végétal. Très bon. En Europe, ça commence à rentrer via l'Espagne et l'Italie et je pense que ça va nous arriver en Belgique très prochainement, en grande quantité aussi. Depuis Belém, nous prenons un dernier vol de quelques heures pour rejoindre Eric et Laetitia Nguyen. Car pour finir en beauté notre tour du pays, nous avons en effet choisi un petit coin de paradis. C'est l'île de Boipeba, située au large de Salvador de Bahia, dans l'archipel de Tinhaé. C'est ici qu'Eric, originaire de Schaerbeek, a posé ses valises après plusieurs années passées entre travail en Belgique et vacances au Brésil. Avec Laetitia, sa compagne brésilienne, il décide il y a 3 ans de s'installer définitivement. Au menu de leur nouvelle vie, des crêpes, et peut-être bien la recette du bonheur, tout simplement. Vu que c'est plus les vacances, il faut payer ses comptes. Hein. Quand on vient en vacances, on a des sous de côté pour ça, mais là on y vit, donc il faut bosser. Et on s'est dit, on est dans un bel endroit. Moi je travaille en bâtiment ou je travaille en cuisine. Viens, on va mettre quelques tables et...
Tout s'est passé à la dernière minute, en fait. On a tout poussé du chantier, on est rentré la marchandise. Et j'ai fait, il faut que je fasse une carte avec tout ça. Et le soir, on avait des copains qui sont venus et c'était 50 personnes. Et ça n'a plus jamais des ans, du coup. Je peux juste voir. Du premier rencontre de notre jour avec la vie, querida. C'est dynamique, ça donne envie de bouger. Les gens ont un dynamisme qui fait du bien aussi. Que contrairement à avoir tout le temps les gens qui se plaignent, et, ça change un petit peu la façon de voir les choses. Et ça rend peut-être la vie un peu plus facile. Ce pays m'a apporté plein de petits trucs personnels que j'étais probablement à la recherche et que j'ai trouvé. Tant mieux. Mais non, je reste bien belge, je mélange pas mes origines et fier de l'être. On a déjà fait des petites soirées frites avec les copains. Et ça remporte un franc succès, quoi. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la Belgique? Le chocolat? Quelques noms de joueurs de foot? Bruges? Et maintenant, Mannequin Peace. C'est le Mannequin Peace de mon grand-père. Quand on est parti, je me suis dit qu'on aurait besoin d'un peu de chance avec nous. Donc je l'ai bien emballé dans l'essuie, on l'a mis dans la valise. Il a eu 40 ans dans le café du grand-père. Je sais pas s'il aura 40 ans ici, mais pour l'instant, il porte chance. Devant la crêperie, la petite route est une des rares en pavé sur l'île. Il faut dire qu'aucune voiture ne peut arriver ici. La nature est donc présente partout, préservée par un statut de réserve naturelle. La vie s'y écoule doucement, entre habitants de l'île, environ 3000 personnes, et touristes locaux venus goûter au calme de l'endroit. Ce poisson, à Boipeba, on l'appelle Pitichinga, mais dans la région, on dit aussi doigt de fille, parce qu'il est tout rond, comme un joli doigt de fille. Je suis venu ici en vacances quelques jours chez ma sœur. Alors je nettoie déjà les poissons. Comme ça, c'est tout prêt quand on arrive là-bas. Pour moi, ici, avec les enfants, c'est super. Il n'y a pas de danger de voiture, pas de drogue. Même pour y travailler, j'aimerais bien. J'espère que ça va rester comme ça. On n'a pas besoin d'un hôtel ou de voiture. Si on urbanise, ce sera moins cool. Ici, on est tranquille, on peut dormir avec la maison ouverte, on n'a pas de violence, rien du tout. On connaît les gens, on se dit bonjour à tout le monde. Les gens t'appellent pour ton nom, pas des choses qu'on n'a pas. C'est peut-être un peu dur au début, hein, le choc. Ouais. Mais bon, petit à petit, on est rentré un petit peu dans la vie du village. Oui. Parfois, c'est un peu dérangeant parce que tout le monde sait de ta vie. Mais bon, on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher non plus, donc. Demain, peut-être on va partir parce qu'il n'y a rien ici. Donc on va profiter, faire un petit tour. Hein. Peut-être on va chez moi ou on va voyager ici à un côté où il y a les montagnes. Donc ça fait du bien de sortir. Pour avoir de nouveau cette nouvelle vue, avoir de nouveau tes yeux qui s'émerveillent et tout. C'est chouette de sentir ça. Ça, je crois qu'on a ça partout. On s'habitue. Oui, c'est joli, mais c'est bien de se dire, allez, c'est joli. En nous faisant découvrir leur Brésil, nos compatriotes nous ont transmis leur attachement pour ce pays aux multiples visages. Un pays qui, à son tour, révèle ce que nous sommes à travers les portraits de ces Belges qui ont osé partir, qui ont su s'intégrer, qui ont accepté de devenir un peu brésiliens. Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar, tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar, tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar, a Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver onde a gente não.